c'était le braquage de banque. Je fais, vas-y, va voir là-bas, c'est tout là. Le braco est terminé. Bonjour mon ami. Déjà. Il va arriver les commandants. Vous êtes tout seul là ? Patientez quelques secondes. T'es tout seul et t'as pas de main ? Oui, je m'excuse monsieur, patientez, ils vont arriver. D'accord, pas de soucis. Tu toques à la porte quand ils sont là. Elle a pas de main. Toc toc toc, c'est le loup. Allez, c'est bon, on a trouvé la meuf de ce soir. Et le grand Chan. Yvan. De quoi t'as pas compris ? C'est trop ça. Ouais, je sais qu'il parle de moi tout le temps, il est amoureux de moi, mais tu lui diras aussi qu'il enlève Kiki RP sur son... Parce qu'il, regardez, il est plus sur mon serveur, mais il marque encore Kiki RP. Tu regardes dans la description de son live, il y a marqué Jazz Kiki RP. Je suis une mangeuse de... Hashtag Kiki RP. Donc tu pourras lui dire qu'il enlève. J'en profite, hein, je vais retirer un petit peu d'argent. Bien sûr, bien sûr. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais voir les otages sous peu? Alors déjà, avant de commencer, vous êtes combien sur la zone là? Alors pour l'instant, on est... Tac, attends, je vais sur la radio. Moi j'en vois 1, 2, 3 avec vous, 4. Et s'il y en a un derrière votre véhicule là-bas? 7 en tout sur la zone. 7. Bon, nous c'est simple, on a 4 otages, je vais vous les montrer. C'est simple, vous pouvez rentrer dedans, vous allez venir les voir avec moi, vous inquiétez pas, il vous arrivera rien. Okay. Allez, venez avec moi. Poussez-vous. Voilà monsieur, venez avec moi, vous en avez 2 ici. Vous en avez 2 ici monsieur. Voilà, venez avec moi. Par contre, les deux qu'il y a là, dites à votre agent qu'ils ouvrent pas la porte qui est à son côté puisqu'ils ont du C4 et si vous tournez la poignée, ça les fait péter. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y a le policier. Les gars. Et l'autre, il est là. Ils sont là, les deux autres. Par contre, ils sont ici parce que comme vous pouvez voir, il y a un fil qui est relié à la porte et si vous touchez la porte, ça les fait péter. C'est pour que vous passez pas par là. On est d'accord ? Ça pète, ça pète, ça. Ok. Allez, vous pouvez repartir par là-bas, on ne peut pas sortir par là, monsieur. Par contre, je vais vous dire un truc, monsieur, c'est que les otages, les 4, on vous les laissera ici, là. Ok ? C'est bon ? Quoi ? Ok. Ouais, mais oui, mais moi aussi. Bien équipé, hein ? Ouais, je sais pas. Ça va, c'est pire. On entendait beaucoup de sirènes. Quoi, monsieur l'agent ? Moi aussi. Vous faites quoi, monsieur ? Bon, vous avez vu les otages ? Ils vont bien, tout va bien. Donc voilà, comment ça va se procéder, monsieur ? C'est simple. On va partir. Vous allez nous suivre. Pourquoi il y a toutes ces barrières là autour? Vous voulez qu'on parte comment nous si vous mettez ces barrières monsieur? Enlevez les barrières s'il vous plaît. À la rigueur, si c'est des... Ça gêne pas de barrières, ils ne peuvent pas partir. Mais surtout c'est que les citoyens ils cassent les barrières en fait, ça gêne pas des barrières pour les empêcher de passer. Ça fera plus de bazar et de la saleté monsieur. Bon, donc nous c'est simple. On va vous laisser les otages où c'est qu'on vous a dit. Là, il y en a qui vont sortir par ici, il y en a qui vont sortir par là-bas. Mais nous, une fois qu'on aura débloqué les otages, là, c'est pour pas que vous rentrez par là-bas, que vous nous lancez un assaut. Vous êtes bien d'accord ? Mais une fois que nous, on va pouvoir partir, on va vous détacher les otages pour vous que vous les mettre au milieu de la pièce, comme je vous ai dit. On est bien d'accord ? Parce que je ne vais pas vous les laisser attacher. On ne sait jamais si vous faites une fausse manip, que vous fassiez péter le C4. J'ai pas envie qu'il y ait des morts chez vous
et des innocents qui sont morts juste pour un bout de fil. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a juste fait ça, monsieur, pour de la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pas de problème. Voilà, nous, on a juste fait ça parce qu'on ne peut pas regarder toutes les portes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous lancez un assaut là-bas avec l'armée sur l'autre porte, on fait comment? Donc, c'est une question de sécurité pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, voilà. Après, donc, on va partir, on va se faire une petite course-poursuite. On vous autorise à tirer au bout de 5 minutes, parce que comme c'est un gros braquage, je vous autorise à tirer au bout de 5 minutes. Ok, ça marche. Du côté de chez nous, il n'y aura pas de nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est quand même un level au-dessus. On n'est pas là pour plaisanter. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on prend un sacré billet. Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord? Ouais, pas d'accord, pas de problème, pas de problème. Sauf que nous, on ne tirera pas. On est d'accord? Ok. Après, vous pourrez nous pipe, comme d'habitude. Du moins, vous faites comme vous voulez, là. Au bout de 5 minutes, vous avez tous vos droits. Ok? Ouais. Sauf, on est bien d'accord, on ne va pas se tuer quand même. Ça, en cas de force majeure, s'il faudra, je vous mettrai une balle dans le casque. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas tout, monsieur, c'est moi je comprends. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mes hommes, je vous ferai un petit signal quand on va y aller. Je vais aller dire à mes hommes, on va aller détacher tout ça, on va aller mettre les otages au milieu de la pièce. Les gars, est-ce que vous pouvez prendre tous les otages et les mettre au milieu de la pièce centrale, les quatre, s'il vous plaît? Ça marche. Les gars? Et après, commencez à sortir pour entrer dans vos véhicules. Par contre, les gars, je vous préviens, je les ai autorisés à tirer au bout de 5 minutes et à nous pite. Ok? Vas-y, frérot. Par contre, nous, les gars, on ne tire pas, hein. Ils nous tirent dessus. Comment ça? Non, mais on tire dans les pneus, on tire pas sur les policiers. Ok? Ils nous tirent dessus, frérot? Oui, si, dans les pneus, ils ont le droit de tirer, je t'ai dit. Les pneus, pas les pneus. C'est bon, les otages. Donc, voilà, vous dites-moi quand les otages ils sont prêts. C'est bon, non? C'est bon. Donc voilà, donc vous pouvez sortir tranquillement, on va y aller. Et chacun, comme d'habitude, dans ses véhicules respectifs. C'est bon, monsieur? D'accord. Attendez, il prévient ses collègues et on peut partir. Deux minutes, les gars. Il y a des véhicules garés près de... Ok. Au cinéma. Mais dans tous les cas, monsieur le policier, on attend que vous soyez dans vos véhicules pour partir. Ok. Vous avez le droit de tirer au bout de 5 minutes, si vous voulez tirer. Dans les pneus, hein. Dans les pneus. Vous pouvez tirer dans les pneus. Ensuite, vous ne rentrez pas. C'est bon, mon gars? Est-ce que tout le monde est dans son véhicule du côté de chez nous? C'est bon, bouchon? Le T, tu y es le T? Moi je suis de l'autre côté, moi. Ok, non mais c'est bon, tout le monde est dans son véhicule, c'est bon les ouais, gars. Tout bon. Allez, dès que le policier qui est au milieu là, il est dans son véhicule, on peut y aller. Oui. Monsieur le policier? Oui, partout, monsieur. Il me dit dans le russe, est-ce qu'il y a des gens? Je suis en train de rec, mais du coup, j'ai pas si je vais conserver. Tout dépendra de la course poursuite. Ah! Si, si, il y en a plein. Bon, il fait quoi? Parce que je m'en vais, moi. Ils font quoi là? Je sais pas ce qu'il fait. Monte dans ton véhicule et casse-toi, bordel. Bon, monsieur, on a. Tout de suite là, allez. Hop, c'est bon, vous êtes prêts? Ok, c'est bon, allez-y, c'est bon. Allez, une curtation. Ah, mais ça déjà, il fait quoi lui? Il coupe la route en plein milieu. Vas-y. Ces moldus, ils sont énervants. Ah ouais, ces citoyens, ils cassent la tête, ils coupent la route comme ça là. Et en plus, il n'y a personne dedans. Il y a quelqu'un derrière nous? Poulette! Il y a quelqu'un derrière nous ou pas? Bah oui. Ah ben, je sais pas, je te pose la question, tu réponds pas. Il y en a un qui s'est pris un mur. Ah bah non, c'est moi qui vais avoir un problème d'avis.
Demande dans la radio les autres si ça va. Ça va les gars? Attends, une voiture nous. Nous on en a deux. Ouais, excusez. Ouais, ils ont pas fait exprès. Ouais. Ah ouais, j'ai freiné. Mais on passe pas, c'est pas là. Si on passe. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? La semaine. Bah nous, ils sont toujours derrière nous, les gars. On les a semés dans le nord. Dans nous, c'était bon, ils ont tanké, nous. Et toujours. On a les deux, nous. Les gars, il y a moyen que vous veniez nous aider? Vous êtes où? Parce que nous, on est loin, loin dans le nord. Hein. Ils nous ont chassés. Là, on va pas tarder à arriver en ville. On en a plus qu'un. On en a plus qu'un derrière, je crois. Ils sont encore deux derrière. C'est où dans la ville? On va sur l'autoroute là, on est un peu sur l'autoroute là. Quelle autoroute? J'en ai pas la moindre idée. Pour moi, c'est pris le camion là. Non? Allez, vas-y, mon cœur. C'est pas pris le camion là? Non, non, ils sont toujours derrière nous. Hein. Dis-leur, on va au château d'eau. Hein? Dis-leur, on va au château d'eau. On va au château d'eau, les gars, on va au château d'eau. Château d'eau, demi-tour. On a toujours les deux voitures derrière nous. En plus, on a plus d'essence. Récupérer une voiture sur nous, on va occuper. Là, on a traversé un et j'arrive vers vous. Nous aussi, on lance la main et on essaye. En plus, on n'a plus d'essence. Non? Oh putain, on n'a plus d'essence. Qu'on a. C'est trop vite là. Ils sont où les autres? Demande-leur. Oh non! Tentez. Demande aux autres poulettes où ils sont. Vous êtes où les gars? Oh non, véhicule en panne. Je suis en train de changer de véhicule. Les gars, braquez-les, dis-leur qu'ils les braquent. Braquez-les les gars! Putain, mais t'es trop beau, poulette, c'est un truc de fou. Arrêtez-vous, venez, vas-y. C'est un truc de fou, poulette. C'est un truc de fou, ils sont là. Je te dis quoi, moi. Quand je vous ai vu, j'ai dit braquez-les. Non, ils sont toujours là, je l'ai. J'ai plus d'essence. Le réservoir, il était percé. Ah ouais.
Restez ensemble, faites gaffe, faut qu'on reste ensemble quand même. Vous êtes où? Quelle autoroute? Voiture et une voiture qui arrive. Le truc pour le barrage d'eau là. Je vais prendre la pause. C'est bon, je vois. Venez avec moi. Explique quoi. Ouais. Attention, il y a une voiture qui arrive, il y a une voiture. Venez, faut se cacher, venez. Baissez-vous les gars, baissez-vous. On vient ou il y a trop de flics? Il y en a blindé, on est plein là, on va être cerné, je crois. Alors. Descendez à la route, descendez. Vous faites quoi les gars? On descend, doucement, on descend. Montez, faut aller se cacher, montez. Faites gaffe. Montez, encore un. Allez. Allez, dépêchez-vous, les gars. On a un pneu crevé. Ah, mais t'inquiète, on va aller se cacher. Ils sont en train de nous tuer. Tire dans les. Ah mais les gars, tirez dans les pneus aussi. Ils vous tirent dessus, tirez leur dessus. Mais non, on n'a qu'un pneu cassé, hein, non, on peut y aller. Si vous leur crevez les 4 pneus ou 2 pneus, nous on peut continuer, ils peuvent pas. Et lui, celui qui est derrière nous, là, il a plus de pneus, lui. Ah ben il a pas le droit. Hein. Non, on n'a qu'un pneu, les gars. Il s'est arrêté de toute façon. Hein. Voilà, nous on n'a qu'un pneu, les gars. Ouais, ouais. Vas-y, normalement à droite, c'est. Vas-y, on va changer de voiture. C'est tout? Voilà, nulle part. Laisse tomber, frère. On s'aime pas, on est, gros. On est quelque part. On vient pas au point que tu dois m'envoyer là, on est d'accord, hein? Non. Taille-toi bien loin, mec. On a changé de véhicule, changé de tenue. Ouais. Conseiller dans cette ville. Ouais, gros, t'as la propre essence là-haut. Allez, descendez. Descendez, venez. Est-ce qu'ils vont nous poursuivre avec l'avion? Vous êtes à pied? Ouais. T'inquiète, mec. Essayez de revenir vers vos véhicules, on est en bas. Si vous y arrivez, je peux en prendre 2 personnes. Vas-y, prenez un jet ski avec toi et ta femme, et moi je prends l'autre avec je sais pas qui est là. Avec moi. Ah ouais, en fait, vous avez. Ouais, c'est bon, j'ai compris, vous êtes où là? Allez, poulette, dépêche! Allez, poulette, vite! Vas-y, go! C'est bon, vous avez pris un jet ski? Ouais, on en a, on te suit. Allez, viens.
Vous êtes tout. Au milieu de la mer. Bon, bah, on se rejoint au PC alors. Hein. Non, non, tu sais où c'est qu'on va se rejoindre? Où c'est qu'il y avait l'écran de cinéma à l'époque? Je vais essayer d'aller jusqu'à là-bas, au parking. Comme ça, tu nous récupères. Vas-y, je peux prendre deux personnes. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre avec toi? Si, 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 c'est si, pour si, je vais prendre une voiture. J'essaye d'aller jusqu'à là-bas, hein. Je sais pas si on va y arriver, les gars. On a eu de la chatte, les gars, avec ces putains de jet ski. T'as vu ou pas? La vie de ma mère, on est tombé sur une plage déserte avec des jet skis, cousin. La chatte, elle était avec nous, là. T'as vu, les gars? Il y a un 4x4 rouge. Le 6x6. Oh, tu peux RS7. Même pas, rendez-vous au Merriweiser. Au truc du Merriweiser, les gars. Vas-y, ça marche. On arrive. Et toi, t'es où avec le jet ski, frérot? C'est toi, là, en rouge? Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis juste là, derrière toi. Ils sont juste à côté, mon père. On va essayer d'aller. On n'a pas beaucoup d'essence. Non, non plus. Ah ouais, j'espère qu'on va arriver jusqu'à là-bas. Inch'Allah. Vas-y, on se rejoint Merriweiser. C'est dans le coin, Spirit, tout au fond dans le coin. On va arriver par l'eau, nous. Ouais. Tu vas dans le coin, en fait, tout au fond dans le coin. Et je sais pas si on va arriver jusqu'à là-bas. C'est ça le problème. Hein.